choisi en fait des décors qui sont très chargés d'histoire, puisque grâce à ce travail de mouvement, ce saut en fait, on s'aperçoit qu'arrive un personnage qui est en élévation au-dessus du sol et qui devient presque, enfin qui est fantomatique en fait, donc c'est un peu l'esprit des lieux. J'ai pas de mise en scène de lumière. C'est vraiment les lumières qui sont présentes sur les lieux. Moi, je m'adapte, donc il n'y a pas de projecteur, il n'y a rien. Et plus je travaille avec une lumière faible, plus il y a la trace du mouvement, en fait. De nuit, tomber de la nuit. Et ce sont les lumières en fait du jardin du château de Faugergues. J'ai quelqu'un pour déclencher en fait. D'accord, tu fais tous tes réglages. Moi je fais tout, le cadrage, les réglages. Après je me projette dans l'image, je vois où est-ce que le personnage doit intervenir pour qu'il y ait une bonne composition photographique et une force. Et ensuite je fais plusieurs sauts à la suite en comptant 1, 2, 3, à 3 la personne qui déclenche et ainsi de suite en fait. Donc on est dans une espèce de transe. Et après je sélectionne, il doit y avoir peut-être 10 photos, 15 photos, et je sélectionne celle qui correspond à vraiment à ce que j'ai envie de raconter à ce moment suspendu.